Alors, je m'appelle Maëva Weissen, j'ai 26 ans, je suis designer et artiste et je travaille autour des questions de la troisième culture et des quartiers populaires genevois. J'ai des sources d'inspiration, tout ce qui est rap français, beaucoup, tout ce qui est tous les clips, toutes les références qu'il y a dans les, clips de rap français. J'ai des inspirations au niveau de la mode aussi, comme par exemple Vivienne Westwood, qui m'a beaucoup inspirée. Et voilà, c'est ouais, à peu près tout. Enfin, pour l'instant, en tout cas, ce qui m'inspire en ce moment. Alors, oui et non, dans le sens où moi, je ne fais pas partie de l'industrie de la mode. Je n'ai pas une marque vraiment à proprement parler. Je ne fais pas produire des pièces. Enfin, je ne suis pas du tout dans ce système. Mes pièces, c'est plutôt raconter des histoires et en l'occurrence, l'histoire du quartier où j'ai grandi, Honnêteté. Donc, c'est vraiment ça qui lit mon travail, en fait. Mais je ne dirais pas du coup que ça s'inscrit dans l'industrie de la mode. C'est vraiment plutôt créer des images pour créer des histoires, pour raconter des histoires, en fait. Mais pas vraiment faire des vêtements pour créer un objet design et utilitaire, entre guillemets. Alors, j'ai toujours été passionnée par la mode, mais pas la mode dans le sens les défilés, etc. C'était plutôt le fait que les gens portent des habits et passent des messages sans le vouloir un peu tous les jours. Et comment tu t'habilles, ça dit forcément un peu quelque chose sur toi. Et du coup, je me suis dirigée vers un bachelor en design mode et j'ai créé une collection de vêtements. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment un médium qui m'inspire énormément parce qu'il est... tout le monde a forcément un peu un feeling avec le textile parce que depuis toujours on est habillé, on a des draps, des rideaux, etc. Donc c'est un truc qui est assez commun et populaire entre guillemets. Et j'aime bien cet art-là parce qu'il permet un peu à tout le monde, même des gens qui par exemple connaissent rien à l'art contemporain ou au design, de s'approprier un peu ce médium. J'ai toujours fait de l'upcycling parce que quand j'ai commencé l'école à la Aide, j'ai remarqué qu'il fallait très vite acheter beaucoup de choses et finalement que c'était pas hyper... on n'en avait pas forcément besoin, dans le sens c'était des exercices, je comprenais pas pourquoi je devais acheter du tissu pour finalement faire des tests. Du coup, je me suis dirigée vers le recyclage, donc j'ai réutilisé des draps, des rideaux, etc. pour en fait juste m'entraîner et pas payer des milliers de cents pour quelque chose qui allait servir à rien. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai continué à pratiquer l'upcycling et à un peu aller chercher des solutions, etc., etc. Et quand j'ai fait ma collection la collection 12-13 or The Manifest of a Third Culture, j'ai réutilisé que des maillots de foot. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de clubs qui changent tout leur équipement parce que par exemple, ils ont changé de sponsor ou bien un logo qui a changé, etc. Donc ils changent tout. Donc en fait, eux, ils envoient généralement en Afrique. Mais c'est une solution, mais c'est pas non plus une solution hyper cool dans le sens où tout le monde fait ça. Donc ils vont, c'est un peu la poubelle de l'Europe, on balance tout en Afrique. Et je me suis rendu compte que je pouvais, moi, réceptionner ces vêtements-là et les réutiliser. Du coup, c'est pour ça que j'ai continué aussi à faire l'upcycling. C'est parce que finalement, il y a plein de gens qui veulent se débarrasser de choses qui sont utiles pour moi, par exemple, ou d'autres créateurs, créatrices. Moi, je suis d'origine suédoise. J'ai grandi à Honnêteté. C'est un quartier populaire de Genève. Et du coup, j'ai toujours grandi avec des gens qui venaient d'un peu de partout. Donc, des Portugais, des Marocains, des Brésiliens, etc. Et en fait, on avait tous la culture de nos parents à la maison, la culture qu'on apprend à l'école, donc la culture suisse, entre guillemets, et après, ce que nous, on en fait un peu au quartier. Et c'est un peu aussi une manière de s'identifier aussi. Parce que par exemple, moi j'ai toujours eu beaucoup de difficultés scolaires, donc l'école c'était pas un endroit où je me sentais bien. Donc pour moi, ça avait viré un peu j'ai un peu rejeté ce côté suisse, ce côté on rentre dans le système. Je me sentais pas du tout concernée par ça. Et du coup, c'est une manière de me recréer mon identité parce que je suis pas non plus suédoise vu que je suis pas née là-bas, que ma langue maternelle c'est le français. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de gens qui étaient dans le même cas que moi, en fait, qui se sentaient pas vraiment représentés qui se sentaient pas vraiment bien dans ce qu'on nous présentait comme la culture suisse. Et au final, pareil pour les parents, tu pars au pays, t'es pas vraiment de là-bas, enfin finalement, t'es suisse. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à réfléchir à ça et à réfléchir aux codes qu'on utilise ensemble. D'où toutes ces références, par exemple, à la culture urbaine et
la culture du rap français, par exemple, ou des quartiers français. Et du coup, c'est de là où je suis partie un peu. Et c'est un peu... Bah, en fait, c'est vraiment un manifeste, mon travail, dans le sens où là, j'ai fait une collection de vêtements, j'ai fait aussi des tapis. Et là, je suis en train de faire un travail avec des petits de mon quartier où on fait un court-métrage, où on fait un portrait un peu de ça. Enfin, pas forcément juste de la troisième culture, mais de ce que ça veut dire de vivre dans un quartier comme ça et comment on s'identifie et on se réapproprie un peu ces codes. J'ai jamais trop aimé les systèmes, quels qu'ils soient, institutionnels ou... quels qu'ils soient, en fait, j'ai jamais vraiment aimé ça. Mon père, il a vécu beaucoup dans les squats genevois. Enfin, j'ai grandi un peu avec cette culture quand même assez punk et un peu anarchiste. Et du coup, c'est vrai que pour moi, l'autoproduction, c'est un peu la base pour être vraiment libre, en fait. Et j'ai remarqué, justement, par exemple, là, on est en train de travailler avec la commune d'Aunay, et c'est vrai que c'est hyper différent. Tu dois rendre des comptes aux gens. Du coup, c'est vrai que pour moi, l'autoproduction, c'est le seul moyen pour moi d'être complètement libre et de pouvoir faire tout ce qu'on veut sans être bridé ou sans avoir des gens qui... Enfin, voilà, qui ont mis de l'argent, du coup, ils veulent un peu des comptes, etc. Donc, tout ce que je fais, je le fais... toute seule, et c'est moi qui pose les bases et qui décide ce que je veux vraiment faire. Et du coup, ouais, c'est vraiment une liberté totale de pouvoir faire de l'autoproduction. Du coup, j'ai eu un défilé, c'était le défilé de la aide de fin de bachelor. Et il a eu pas mal de succès, je pense, parce que je pense que ce que je fais, c'est quand même assez accessible. J'essaye, enfin moi, ma phobie totale, c'est de faire quelque chose de totalement inaccessible pour le grand public et que les gens se reconnaissent pas et puissent pas s'identifier. Du coup, je pense que ce qui a fait que mon travail a plu, c'est que les musiques que j'ai utilisées, c'était par exemple Mafia Kin Free, Tonton du Bled, c'est une musique avec qui on a quand même pas mal grandi et puis qui raconte un peu toute l'histoire de ce que j'essaie de dire, mais bon, du point de vue de personnes qui viennent du Maghreb. Et, mais qui au final nous rejoint un peu nous aussi dans mon quartier, dans le sens que tous les étés on part dans le pays des parents. Du coup j'avais utilisé cette musique, le fait aussi que j'utilise des maillots de foot, ça c'est pour moi un vecteur, enfin un truc assez cool, c'est que les gens, ça leur parle en fait directement. Il y a des gars de mon quartier, ils connaissent rien à la mode, ils connaissent rien au monde de l'art, mais juste ils voient les clubs que j'ai utilisés ou les couleurs et direct ça leur parle et il y a tout de suite une communication qui se crée. Du coup, je pense que c'est ça qui aide pas mal. J'utilise beaucoup des références et vu que c'est mes références à moi, ben ça va forcément parler à des gens qui ont un peu grandi comme moi. Du coup, je pense que c'est pour ça que ça a bien plu. Et le fait aussi que j'ai utilisé que les personnes qui portent mes vêtements, c'est généralement des amis à moi ou des gens que je connais. Et du coup, j'essaye de briser un peu ce truc de pour être mannequin ou pour être représenté dans un média. Enfin, tel quel, il faut faire du 34 et être blanche avec des cheveux lisses. Et j'essaye vraiment de pouvoir représenter toutes les personnes avec qui j'ai grandi. Ben, je trouve ça un peu... Enfin, je trouve ça vraiment... Enfin, malsain, le... Enfin, pas malsain, mais... Enfin, c'est quand même ouf que moi, j'ai pu avoir une représentation toute ma vie de femme, mais que mes copines, non, alors qu'on a vécu dans le même pays et que finalement, on a grandi ensemble, quoi, donc c'est quand même un peu ouf. Du coup, je pense que ça a pas mal aidé aussi à ce que les gens ils se reconnaissent dans mon travail et puis ils aient aimé mes créations. Ouais, en fait, j'ai bien réfléchi, je voulais parler du quartier, je voulais parler de tout ça, et je me suis dit, mais j'ai quand même envie d'utiliser le point de vue féminin, en fait, parce que c'est vrai que dans l'espace public, en règle générale, les femmes, elles sont quand même beaucoup moins représentées que les hommes, et surtout au quartier. C'est vrai que tu verrais plutôt des groupes d'hommes se balader dans le quartier plutôt que des groupes de filles. Et j'avais du coup envie de reprendre un peu le quartier, quoi. De me dire, vas-y, on est un groupe de meufs, on reprend le quartier. Normalement, on peut jamais faire ça, mais vas-y, viens, là, on le fait. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire ça. Et du coup, j'ai réutilisé des maillots de foot, mais j'ai utilisé des codes qui étaient hyper féminins. Enfin, parce que moi, j'assume complètement mon côté féminin, je suis trop contente d'être une femme et de pouvoir le montrer. Et c'est vrai que c'est assez dur d'être prise au sérieux, par exemple, quand t'es maquillée ou quand t'es habillée un peu sexy. Du coup, j'avais envie vraiment de dire fuck quoi, genre laissez-moi être qui je suis si j'ai envie d'être en string et de vous parler d'inégalité ou de je sais pas quoi, ou même de climat, ou enfin j'en sais rien, mais... Enfin, je fais ce que je veux et c'est pas pour ça que je suis moins crédible que quelqu'un d'autre. Du coup, j'ai vraiment poussé ces codes ultra féminins au maximum.
Et ouais, voilà. Du coup, bah, j'ai ce projet avec les petits de mon quartier. Donc là, on est en train de monter, enfin, de faire des ateliers avec différents intervenants qui sont tous genevois, donc de plein de médiums différents. Il y a des rappeurs, des scénaristes, des actrices, etc. Donc on est en train de faire ça. On va faire une projection au Manège d'Aunay, mais ça aurait dû être en juin, mais là, on ne sait pas trop à cause des normes sanitaires. Du coup, ça, c'est le plus gros projet que j'ai en ce moment. Et je suis trop, trop excitée de le faire parce que je trouvais trop cool de parler de ça moi-même, mais j'avais aussi envie de donner la voix aux gens qui vivent ça aussi. Je trouve que c'est quand même important, quand t'es créateur ou designer ou artiste ou quel que soit, d'avoir aussi un peu une pratique de terrain. Pas raconter des trucs comme ça et puis en fait, t'es dans ton 8 pièces à colonie. Enfin, aussi de pouvoir aller là où, d'où tu tires un peu ton inspiration et d'où les choses viennent. Du coup, ouais, c'est mon gros projet de 2021. Du coup, le livre que j'ai choisi, c'est une histoire d'une femme qui va quitter son Nigeria natal pour partir étudier ou travailler, je sais plus trop, en Amérique. Et en fait, c'est un livre qui est trop bien parce qu'il y a plein d'aspects un peu différents. Déjà, il y a un peu une histoire d'amour, du coup, c'est chou. Moi, j'ai bien aimé. Il y a aussi l'idée de quitter son pays, justement, et d'aller dans un autre pays. Du coup, je trouvais que ça m'a pas mal parlé. Et du coup, elle va faire face à plein de... elle va se rendre compte qu'elle était... En fait, elle était bien chez elle et que là, elle fait le voyage et qu'en fait, il y a plein de choses qu'elle aurait jamais imaginé qui allaient lui arriver. Sachant que du coup, c'est une femme noire qui va se confronter à un monde complètement occidental. Et du coup, il y a plein d'aspects différents. Et je trouve qu'il est trop bien écrit dans le sens où... Enfin, cette autrice, je l'aime beaucoup parce qu'elle est assez... C'est pas compliqué à lire, c'est vraiment, c'est un peu écrit comme si elle parlait et j'aime beaucoup cette façon d'écrire. Du coup, cette idée d'exode et d'immigration et le fait que, grâce à ce livre, on casse un peu plein de préjugés qu'on avait. Par exemple, vu qu'elle vient du Nigeria, nous, en Europe, on a souvent quand même l'image de l'Afrique un peu pauvre, etc. Et là, elle vient vraiment d'un milieu hyper éduqué, etc. Puis elle arrive dans un monde de blancs où tout le monde pense justement que la pauvre, elle vivait dans une case et puis elle avait genre 20 frères et sœurs. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant. C'est un peu la même chose avec mon travail finalement, dans le sens où on essaie de casser un peu les clichés. Et par exemple, le fait qu'il y ait des quartiers populaires en Suisse, les gens me croisent généralement pas. Et en fait, quand ils viennent, ils disent « Ah, mais oui, effectivement. » Du coup, il y a cette idée aussi de déconstruire son identité en allant ailleurs et aussi de déconstruire des clichés qu'on pourrait avoir sur des lieux ou des origines. En fait, c'est ma mère qui me l'a acheté parce que je suis partie faire un stage de 6 mois à New York et du coup, elle me l'a acheté parce que justement, elle partait en Amérique, l'héroïne du livre. Et en fait, je l'ai lu là-bas et c'était vraiment ma copine, c'est devenu ma copine en fait, cette fille qui, c'était pas du tout les mêmes questions d'emploi évidemment, mais le fait qu'elle aussi elle fasse ce voyage, qu'elle se retrouve dans un pays qu'elle connaît pas, etc. Ça a vraiment un peu porté mon voyage, puis c'était un assez gros livre quand même, du coup j'ai eu le temps de le lire sur un long terme. Non seulement l'histoire est trop bien, mais c'est vrai que les circonstances dans lesquelles je les ai lues, ça matchait assez bien. C'est vraiment un très bon livre.